impressions, vas-y, donne-nous tes impressions, Timmy, en direct. 19 ans que je voulais le faire, le tour de la piscine à Estérel en moto. Je vous présente Valentin, notre petit valoche. Il est né à Estérel Caravaning, on l'a connu tout petit comme ça, un peu plus grand quand même. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est un très beau jeune homme de 19 ans, qui est un vrai champion. C'est un champion de moto. Vice-champion de France, vas-y raconte, t'es champion de quoi? Vice-champion de France de motocross junior des courses sur sable en 125. Alors aujourd'hui ça va pas être un mardi comme les autres, ça sera pas un mardi à midi pile, ça sera le mardi avec toute l'équipe d'Estérel Caravaning parce que c'est notre dernière soirée. Elle commence maintenant, l'équipe est en haut, suivez-les, on y va et tous au champagne. À mardi prochain. Ponche. Il est quelle heure là? Eh bien il est 20h, non vous sauvez pas hein, mardi à midi pile, hein, vous sauvez pas. Il est 20h38 et bon et moi je sors du bureau quand tout le monde prend l'apéro et je viens prendre l'apéro avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'est un petit ponche réalisé par Véro, le meilleur donc. Maman, t'as peut-être quelque chose à dire, c'est mardi à midi pile de la semaine prochaine, c'est pour la dernière soirée, vas-y on t'écoute mamie. Je suis ravie d'avoir autour de moi tous les employés qui ont travaillé pour nous. Je les remercie de leur efficacité, de leur gentillesse et du bon accueil qu'ils réservent à nos amis clients. Bye bye, merci. Bravo mamie. Elle est belle, ma mère, elle est belle, ma mère, elle est belle. Je la kiffe. Moi, bon, alors, Greg, barman, animateur, discuteur des années 80, tu fais pas partie de la famille. Dragueur. Oh, et pas avec tes DJ aussi. DJ. Testeur. Majeur. La plus belle roulotte du camp, c'est moi. Ma concierge est à le caravaning. Et ça depuis 41 ans. Voilà. Ah ben oui, 41. Le vacancier que du coup, la bah, il vient ici et voilà. Voilà. Ça s'appelle ils ont leur maison à la Tour de Marne. Ouais. Ils prennent la caravane tous les jours. Pas le défilé de mode. Ah ouais. J'ai pensé que c'était tout. Pas le défilé. Bon alors, un petit zoom sur mes gamins. Il y en a deux, les deux plus grands. Jean. Qu'est-ce que tu dis? C'est la fin de la saison, c'est mardi à midi. Eh bien, c'est la fin de la saison, c'est le retour à la vie universitaire, c'est très 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 bien. Parce que je pense qu'on va avoir de bonnes surprises cette année et on va avoir de très bonnes surprises pour la saison prochaine également. Voilà. Ah, de Camille. Très très bonnes surprises. Hello, bon bah c'est la fin de la saison, fort heureusement. Hein, voilà. Et pareil, rentrée universitaire, ça se passe super bien, donc tant mieux. Et puis à l'année prochaine. Bonsoir. Anna, la chérie de Jean. À l'année prochaine aussi. À l'année prochaine. Oh, moi je fais partie de la grande famille d'Estérel Caravaning. Je suis un vieux de la vieille, mais comme on dit souvent, les liens sont tellement forts qu'ils perdurent. Et bon. Tu veux pas me réembaucher à l'ancienne quand on était gamin, hein? Voilà, quand il était jeune, il travaillait à Estérel Caravaning. Il a été barman et ça a été le roi de barman. Qu'est-ce qu'on a à rire à cette époque-là? C'était... Mais ça, c'est il y a très très longtemps. Une belle époque et quand on dit que c'est un esprit familial, eh bien, c'est pas usurpé parce qu'après toutes ces années, on est encore là tous les deux. Hein? Voilà, et il vient toujours faire la fête, la dernière soirée du personnel. Bravo, 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 bravo. Et oui, alors on t'a jamais vu encore. Alors sans elle, eh bien, vous auriez des mobilhomes pourris, vous auriez des mobilhomes cassés. Là. C'est notre gouvernante, c'est la star. Elle se cache, mais elle fait tout pour que vos vacances soient inoubliables, pour que ça soit juste magique, merveilleux, magnifique, etc. Vas-y, présente-toi. Oh là là. Alors Nathalie, gouvernante, la reine des fourchettes et des couteaux. Ah, c'est ça. Si vous manquez une assiette, faites appel à moi. Bref, l'année prochaine, vous aurez toujours la Miss avec nous dans l'équipe, n'est-ce pas? C'est sûr. Avec le sourire et que du bonheur. À votre santé. Alors, mesdemoiselles,
Elles sont là depuis des années. Elles s'occupent du ménage des sanitaires, du ménage du bar, du ménage du mini-club, du club ado. The best équipe, de la salle de télévision, etc., etc. Enfin bref, du bureau. Le ménage, c'est ces demoiselles. Et c'est toujours avec le sourire. Elles nous arrivent de Pologne et c'est que du bonheur. À l'année prochaine, les filles. Ciao. Ciao. Merci. Ciao, merci. Notre équipe polonaise ne s'arrête pas là. Nikolaj. Bonsoir, bonsoir. Dobry wieczór. Pozdrawiam przede wszystkim rodzinę, wszystkich znajomych. Trzymajcie się. Merci. Alors, vous avez tous compris? Bref, Nikolaj s'occupait de la partie mobilhome à Esterel Caravani. L'entretien des mobilhomes. Encore un petit mot? Do you want to say something? One more? C'est tout. C'est tout. Bah voilà. Venez, on va faire un tour en Pologne. Eh oui, c'est moche. Et Moss. Moss, qui vient de fêter avec nous il y a quelques jours ses 80 ans, qu'on a entièrement organisé avec tous les anciens d'Esterel Caravaning, tous les anciens anglais. Parce que Moss, il y a très 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 longtemps, depuis 29 ans, travaillait à Esterel Caravaning. En Pologne. Les jardins. Oui, yes. Les jardins. Les jardins, les fleurs, les arbres. Attention Didier, on arrête de sucer les doigts. Didier, on ne suce pas les doigts. Ah bah oui, c'est le gâteau. Didier s'occupe de tous les fluides et de tous les tuyaux d'Esterel Caravaning. Quand il y a une fuite, quand il y a un boussage, c'est Didier. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tous les branchements, c'est l'eau, les fluides d'Esterel Caravaning. Qu'est-ce que tu dis à mardi à midi pile? Eh ben que tout va bien et puis que la saison s'est bien passée. Et puis qu'on attend la nouvelle. Alors, voilà. Chose très très importante, Didier est avec moi et avant avec mes parents depuis 31 ans. Voilà. 31 ans de fidélité. Voilà. C'est énorme. C'est toi qui bats tous les records. Et ouais. C'est pas fini. T'es mon ancien. Il était là avant moi. Allez, venez. Mardi à midi pile. Non. On va le faire en polonais. C'est en polonais qu'il faut le faire. Parce que je viens voir la Pologne. Allez Christophe, je vais t'aider. Allez. Allez, au revoir au fourneau. Ah, attends, tiens. Moi, l'exclu de l'année, non, l'exclu de la décennie, aurore au fourneau. Ah voilà, voilà, c'est ça. Ça c'est l'exclu de la décennie, attention. Voilà, parce qu'en fait, moi, je ne fais jamais la cuisine. Ouais, je réussis. C'est la meilleure. C'est la seule et unique fois des campings étrangers qu'on est dans mon avis. Attention, c'est pour juger. Hein. Merci beaucoup. Alors en polonais, parce que là on est en train de faire un reportage en polonais. Nigdy w życiu nie spotkałem lepszego patrona, właściciela campingu, jak ta kobieta. Super. Alors qu'est-ce qu'on dit au dernier mardi à midi pile? Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, vas-y. Bah je sais pas ce qu'on dit. Oh, bah on dit bonnes vacances à tout le monde, enfin, surtout pour le staff. Hein. Et Nouvelle-Zélande, Pologne, peut-être Belgique. Ah ouais, c'est un tour. Bon. Je vais prendre de l'air. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, il en faut. Allez, on vous attend après, vous terminez et après, hop, 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 tout le monde à l'apéro. On y va. Et regardez, la reine des masseuses. C'est la reine des masseuses. Les meilleurs massages de la terre, les meilleures manucures du monde. On a le spa réuni. Alors les filles, contentes d'être en vacances? Ah oui, ça y est. Ça y est. Ça y est. Qu'est-ce que pour moi, je reprends lundi, mais j'ai une un bon petit mois là. Tu vas faire quoi? Ben, je vais travailler à Nocibé et je vais être à l'institut. Voilà. Mais où? À Mandelieu. D'accord. Voilà. Et toi, tu vas faire quoi? Tu pars où? Majorque et après saison d'hiver. Ah, et où la saison d'hiver? Tu sais déjà? Vacances peut-être. Ah, où il fait froid? Qu'est-ce qu'il fait froid, Valto? Il fait trop froid. Ouais, je vais me chercher un mini pile. À midi, dans la nuit. En fait, c'est un spécial mardi à midi pile. On le fait maintenant. On le fait un spécial parce que c'est le minuit pile. Voilà, ça sera minuit, 2h, 3h. Sur un malentendu, ça peut même faire 6h du matin. Parce que c'est la dernière soirée, elle se filme la dernière soirée. Le moment où on dit « Yeah, on va danser !»
Mais on allez, c'est à vous, ça commence. Bonsoir. Et qu'est-ce qu'il faut dire du coup? Eh ben, c'était un réel plaisir de travailler ici, et puis à la revoyure, quoi. Voilà. J'espère que vous avez aimé toutes les pizzas, et voilà. Mais oui, parce que c'est le roi de la pizza. Le roi de la pizza. C'est l'élève de Jimmy. Bien sûr. Voilà. Faut pas oublier. C'est Jimmy qui lui a appris à faire une merveilleuse pizza. Alors, Jimmy, qu'est-ce que tu racontes à mardi à Midipil? Ah, c'est super, j'ai eu un bon staff, un mix de staff, et on s'en sort super bien, et c'est tout ce qui compte. Et voilà. Allez, chin. Une bonne saison. Et toi, ma Sentez grande Chin chin. C'était une super saison. On était heureuse d'accueillir tous ces merveilleux clients. Et on a hâte à être l'année prochaine. Oui, enfin, non. Si, non enfin, moi, j'ai quand même on vachement tellement... hâte d'être en vacances. Mais non, on travaille toute l'année. Oui, mais moi, je vais être en vacances quand même. Un petit peu, tout petit peu. Enfin, je dors. Combien? Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Un petit peu. Bon, ouais, vive les vacances. Un petit peu en vacances. Et changement de situation. Hop là, c'est parti. Merci à tous d'être venus. Là, vous êtes tordus un peu. Ouais, non, mais c'est normal, c'est pas moi la caméra. Et, ouais, merci à tous d'être venus. Merci à tous d'être regardé le contenu. Et ça sera pas là, même si on part tous à travers le monde. Mardi Midipil et le contenu à part arrivent toujours. Donc, likez, abonnez, tout ce que vous voulez. Et laissez vos commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de nos contenus, parce qu'on veut savoir ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimeriez pour l'année prochaine. Dites-nous dans les commentaires.